Je m'appelle Miles Morales. J'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17h. Ouais, oh, ça va. Ça va? Wow. On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien? Je suis la tâche. C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh, ouh là là. Miles. Comment tu peux Mira, faire ça Mira, à est-ce possible? Oh, faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. What's up, danger? Miles. Tu veux faire un tour? Oh, ouais. Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs Spider-Héros? Ouais, ouais. C'est qui les nouveaux? C'est incroyable! Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider-Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange, ni du petit intello de Terre 1-9-9-9-9-9! S'il te plaît, vas-y mollo avec le gamin! Il a eu un mentor épouvantable! Peter? Miles! Mayday! T'as un bébé? Eh ouais, j'ai un bébé! Snowball Miles! Je reprends la main. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Et Oncle Ben? Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Can't stop me now. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, à toi. J'ai regardé mon oncle et... Ah, laisse-moi deviner, il était mort.